Bien, salut tout le monde, dans cette vidéo je vous propose d'apprendre un nouveau langage, enfin, pour certains. Donc comme vous avez pu voir, nous allons apprendre le Python, mais pas comme on peut apprendre un langage en allant par exemple sur Open Classroom. En fait là on va apprendre le Python à partir de PHP en fait. C'est-à-dire que je vais écrire du code PHP et je vais en faire la traduction en Python. Donc en fait, cette vidéo s'adresse à ceux qui ont un minimum de notions en algorithme, donc qui savent ce qu'est une variable, une condition, une boucle. Et donc comme ça, cette vidéo va vous permettre de savoir, bon bah en PHP, une condition on la fait comme ça, et en Python, et ben vous allez savoir comment on fait une condition sans que je vous explique, sans que j'ai besoin de vous expliquer ce qu'est une condition. Voilà, donc après, donc ça c'est un concept que j'ai vu chez Graphicart, que j'ai trouvé ça intéressant. Et donc moi je voulais faire la même chose avec PHP et Python. Donc c'est parti, alors là j'ai créé donc deux fichiers, donc un fichier index.php et un fichier demo.py, py étant l'extension par défaut de Python. Donc alors déjà en PHP, voilà. On commence avec ceci. Voilà. Donc, on va voir tout d'abord les variables et les types. Donc, je le mets en anglais. Variable and types. Voilà. Par contre, il me fait l'autocomplétion. Ça va pas être. Voilà. Donc, en PHP, pour créer une variable, on met $ suivi du nom de la variable. Donc, $var. On va mettre var1 est égal à variable, une chaîne de caractères. En Python, alors déjà, je mets un commentaire. Donc les commentaires hein, sont des. On les met avec des dièses. Voilà. Et donc là, en Python, pour créer une variable, c'est tout simple. On n'a pas besoin du dollar. On met juste le nom, suivi d'un égal, et pour finir, la valeur. Voilà. Et on n'a même pas besoin de mettre des points-virgules. Donc ça, c'est une petite différence qu'on a avec PHP ou d'autres langages. En Python, on ne met pas de points-virgules. Donc, qui concerne concernant les types, donc ce sont les mêmes. Hein. Donc on a les entiers, donc 10. Voilà. Hop. Donc ça, c'est les entiers. On a donc les floats, donc les nombres à virgule. Voilà, on a un exemple ici. On a aussi donc les booléens. Alors les booléens, donc c'est true ou false. Hein. Donc en PHP on peut les écrire avec true comme ça avec un T minuscule ou un T majuscule. Bon pour false F minuscule ou F majuscule. En Python un booléen on l'écrit, il est forcément, enfin il doit obligatoirement commencer par une majuscule. C'est-à-dire que si vous écrivez true de cette manière, Python va vous faire une erreur. Voilà, donc du coup il faut l'écrire avec une majuscule. On a les tableaux. Donc les tableaux, c'est très simple. Hein. Voilà, vous voyez, je fais un tableau donc, qui contient des chaînes de caractères. Oui. Et en Python, ça va se déclarer de la même manière. Hein. C'est pareil. Ça là-dessus, vous ne serez pas dépaysé. On a la même syntaxe. D'ailleurs, en Python, les tableaux qu'on a en PHP, ça s'appelle des listes. Enfin, ça, c'est important de le préciser. En Python, on n'a pas de tableau, on n'a pas de array, on a des listes. Donc ensuite, en PHP, on a aussi des tableaux avec des clés et des valeurs. Donc c'est sûrement très bien de quoi je parle. Par exemple, là, j'ai ça. Je mets une flèche donc égale et le signe supérieur. Et donc je mets ma valeur. Donc 0 est la clé et j'en et la valeur. Donc je fais quelques petits exemples. Voilà. En Python, en fait, on va pas. Enfin, ça va être
un type de variable qui va être différent. En fait, en Python, on va appeler ça donc ce qu'on appelle des dictionnaires. Alors, si vous connaissez le JSON, là, ça va être très simple, parce qu'en fait, c'est tout simplement du JSON, hein. C'est-à-dire que là, on met des accolades et on va mettre 0, 2 points, voilà, 2 points, et là, je mets ma valeur. Voilà, ça va être comme ça à chaque fois. 1, 2 points, suivi de ma valeur. Donc ça, c'est bon pour les variables et les types, hein. Alors évidemment, cette vidéo, je la fais pas dans les détails absolus, hein. J'essaye d'englober un maximum de choses pour que ce soit compréhensible et que ce soit aussi que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc là, on va voir les conditions. Alors en PHP, pour faire une condition, on fait donc $1 var 1 par exemple est égal à variable. Voilà. Et puis on ouvre les accolades et puis là on exécute un truc. Par exemple là je vais écrire var 1 tout simplement. Ensuite pour faire un else if, je marque else if, je fais un $var 1 est égal à var. Voilà. Puis je vais mettre encore un écho $var 1, disons, faut pas trop ce que je pourrais mettre. Et puis pour faire un else, voilà. Et je vais continuer avec var 1. En Python, ça va être différent et c'est là qu'on va voir justement le système d'indentation. Parce qu'en Python, il n'y a pas d'accolade. Il y a donc les indentations. Alors, je vais vous montrer ce que c'est tout de suite. Alors déjà, pour faire une condition, on met if. Donc var 1 est égal à variable. On n'a pas besoin de mettre de parenthèse. C'est ça qui fait une sacrée différence par rapport à d'autres langages. Python, la syntaxe de Python est assez peu commune. Et donc là, vous voyez que, bon après ça c'est l'éditeur de texte, il fait par défaut. Vous voyez que là, il y a une tabulation. Voilà. Et en fait, le système de Python repose entièrement sur les tabulations. Donc là, si j'écris, alors je vais écrire un code, donc l'équivalent, donc print hein, permet d'afficher une valeur sur la console. Là, vous voyez que si je fais ça, le code peut paraître identique. Mais en réalité, il n'en est rien, tout simplement parce que si vous marquez print comme ça, que vous le marquez sans tabulation, ça veut dire que vous sortez de la condition. Si vous mettez une tabulation, ça veut dire que le print est dans le if. Voilà. Donc ça peut paraître un peu bizarre la première fois, mais on s'y fait. Donc pour faire un else if, on met elif. Voilà. Elif, c'est else if. Donc var 1 égale à var. Hop. Donc là, pareil. De toute façon, l'éditeur de texte fait les. Enfin, moi personnellement, Atom fait les indentations par défaut et les éditeurs de texte en général le font. Donc ça là-dessus, voilà. Mais si votre code plante sans que vous sachiez pourquoi, et ben maintenant vous savez. Simplement, ça peut être un problème d'indentation. Donc ça, c'est bon pour les conditions, voilà. Ça reste relativement simple, hein. Vous voyez que l'écriture c'est moins surchargé, je trouve. Donc maintenant, on va voir les boucles. Alors, les boucles en PHP, on va voir déjà celle de la boucle while. Donc, la boucle while, hein, c'est classique. Voilà, on met tant que $i n'est pas égal à 10, on va exécuter echo. $i en fait un $i plus plus voilà. En Python pour écrire ça ça va être relativement la même chose voilà on va définir i égale 0 on va mettre un while i n'est pas égal à 10 donc tant que i n'est pas égal à 10
Je mets mes 2 points. On met toujours 2 points quand il y a une structure comme ça. Hop, donc encore l'indentation. Et donc je fais un print i. Voilà. Print i. Et je fais un i plus égale 1. Le i plus plus n'existe pas en Python. I plus égale 1, c'est la traduction en fait de i est égal à i plus 1. Et du coup, pour que ce soit plus rapide, on met i plus égale 1. Voilà. Donc ensuite, on a la boucle for, PHP, for. Donc for $i est égal à 0. $i est inférieur ou égal à 10. Voilà. Et $i plus plus. Ça, c'est ce qu'on a l'habitude de faire en PHP. D'ailleurs, c'est le code, c'est la boucle simplifiée de celle-là. Hein. Voilà. En Python, ça va être différent. En Python, on va faire pareil for. Donc i, in, voilà, range 10. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. En gros, là, on va dire, donc, pour i dans le tableau 10, eh ben, c'est comme ça que la boucle va se faire. Range, c'est un tableau dans Python. Voilà, donc, en gros, là, on définit une liste d'une taille de 10. Et donc, en gros, lui, il va faire une boucle dans ce tableau. Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris. Mais du coup, je mets i. Voilà, print i. Et du coup, ça va faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, c'est l'équivalent de ce code-là qui est beaucoup plus simple à écrire, hein, comme vous pouvez voir. Voilà. Donc ensuite, en PHP, on a la boucle for each. For each, qui permet d'explorer un tableau, tout simplement. Donc, moi, je vais reprendre mon tableau que j'avais défini plus haut, var 5. Et donc là, je vais dire que chaque élément est une variable qui est $véhicule. Ouais. Et donc du coup j'écris $véhicule. Voilà, après c'est plusieurs boucles qui peuvent être, bon, bref. Donc du coup en Python, et ben ça va être plus ou moins la même chose, enfin véhicule, for véhicule, in, var 5. Peut-être qu'avec cette boucle là vous allez plus comprendre celle du for i in range. Tout simplement parce que là nous voyons un cas concret en fait. Là on voit donc ça pourrait être remplacé par i, et là vous voyez que c'est une liste var 5. Voilà, donc ces deux boucles en fait sont les mêmes en fait, tout simplement. Là on a juste deux cas d'utilisation. Ensuite nous avons les fonctions. Alors les fonctions, c'est très simple en PHP, mais en Python aussi d'ailleurs. Donc là on définit donc une fonction f qui prend un paramètre $x et $y, et $y est un argument optionnel parce que je lui ai défini une valeur par défaut qui est de 2. Donc je fais donc un return de $x fois $y, et voilà. Et ben là en fait en PHP, en Python, pardon. Alors déjà, une fonction, eh bien, on va la définir avec le mot-clé def. Def. F. Et donc là, je mets mes paramètres, donc x et y, que je vais aussi définir à 2. Voilà, je mets encore les 2 points. Hop, j'ai l'indentation. Et je fais donc un return. Donc comme en PHP, en fait, de x fois x fois y, voilà. Donc ça reste la même chose en fait. Donc ensuite là on va s'attaquer aux classes. Alors là, et c'est là justement que ça va être un petit peu plus différent, qu'il va y avoir une différence en fait entre ces deux langages. Donc nous, je sais pas, on pourrait définir une classe animale par exemple. Une classe animale où dedans on aurait
une variable dollar name, puis un âge. Ouais. Donc, hop. Donc là, on va faire toutes nos fonctions de getter et de setter. De toute façon, là, on fait getName. On récupère donc $10. $10, c'est la classe elle-même. On récupère la variable name. Donc pareil pour hold. Et là, en fait, on fait l'inverse tout simplement. On va définir donc dans name ce qui a été passé en argument. Et donc, on pourrait rajouter une autre fonction qui serait je sais pas, say hello. Say hello qui fera un petit peu la même chose, pourra dire bonjour je m'appelle et ça mettrait le nom de l'animal. Voilà. Donc pour instancier, on va faire dollar, on va dire que c'est un chien par exemple, dollar dog qui a new animal. Voilà. Donc dans dollar dog, on va faire un set name. Voilà. On va l'appeler leader. Hein. C'était un petit peu original, n'est-ce pas? Dollar dog, on va lui donner un âge, donc set old, qu'on va dire qu'il a 2 ans, et on va lui faire donc un say hello. Donc voilà comment comment se sert des classes en PHP. Comme je l'avais dit, en Python, ça va être vraiment différent. En Python, on va voir ce qu'on appelle des constructeurs. Alors, si vous connaissez la nouvelle syntaxe qui a été apportée avec le S6 en JavaScript, là, ce que je vais faire en Python, ça va vous paraître un petit peu familier. Donc, en Python, on définit une classe avec le mot-clé classe, hein, tout simplement, et toujours avec le 2 points devant le nom de la classe. Enfin, derrière, plutôt. Donc, pour définir notre constructeur, eh ben, ça va être comme une fonction, on va faire un def. Et on va mettre un nom qui va être propre justement au constructeur. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas appeler une fonction dans notre classe, ou même ailleurs d'ailleurs, qui aura le même nom. Donc c'est tout simplement un double underscore, init, double underscore. Ça va être le constructeur de notre classe. Donc on va lui passer donc self, on expliquera ce que serait après, name et old. Voilà, donc on met toujours nos 2 points. Donc self, c'est justement l'équivalent de vis en PHP. Donc là, on va lui dire self.name est égal à name et self.old est égal à old. Quand on lui dit que pour créer notre classe, eh bien, il faudra lui donner en paramètre donc un nom et un âge. C'est-à-dire qu'en PHP, on est obligé de passer par des getters et des setters. Comme là, ce qu'on a fait, on a créé donc notre classe animal et puis on a fait appel à des fonctions qui ont modifié des variables ici. Là, en fait, tout va se passer par l'instanciation de la classe. Quand on va instancier la classe, on va lui donner, enfin, on va lui passer un âge, enfin, un nom et un âge en paramètre, et on pourra utiliser notre classe. Et cette pratique-là, qui peut être considérée comme mauvaise dans d'autres langages comme le PHP ou le C++, eh bien, en Python, on va pouvoir modifier le self, hein, de la classe. On va pouvoir le modifier sans utiliser des getters et des setters. Et ça, c'est une écriture qui ne sera pas considérée comme mauvaise. Donc là, je vais mettre ma fonction sayHello. C'est hello qui prendra donc un self en paramètre, enfin pas vraiment en paramètre puisque vous n'aurez pas besoin de donner self quand on appellera notre fonction. En gros, c'est la classe qui va s'en charger lui-même. Donc du coup, en mettant self en argument, et ben en gros on pourra accéder à ce qui a été défini dans self, donc name et old en l'occurrence. Donc là je vais mettre donc print. Print et puis je vais mettre bonjour, enfin ça va être la même chose en réalité, autant le copier. Bonjour, je m'appelle, je mets un plus et je mets self.name. Voilà. Donc oui, aussi hein, une petite parenthèse pour les fonctions.
en Python, eh bien, vous pouvez les mettre sans parenthèse. En fait, vous pouvez les appeler sans parenthèse. Donc là, je pourrais très bien enlever les parenthèses et ça fonctionnerait très bien. Comme on a fait là avec print i, j'ai pas mis de parenthèse. Bon, là, je vais quand même les laisser. Là, c'était vraiment pour l'exemple. Moi, personnellement, je mets toujours des parenthèses. Mais après, si cette écriture-là, sans parenthèse, si vous préférez comme ça, vous pouvez très bien faire comme ça. Donc là, je vais donc instancier ma classe. Donc, new animal. Animal. Donc là, je passe directement le name et là, j'ai un paramètre. Voilà, donc pas besoin de passer par des getters et des setters. Et donc là, je peux directement faire un doc.say hello. Voilà. Mais si je veux, je pourrais très bien modifier le self, enfin les variables qui sont dans le self, comme ça. Donc je pourrais mettre doc.name. Et je pourrais l'appeler chien, simplement. J'ai absolument pas d'idée. Et si je refais un doc.say hello, et ben ça me dira bonjour, je m'appelle chien. Voilà. Ensuite, donc pour finir, donc vous voyez, c'est vraiment, vraiment fait quelque chose de rapide pour vous présenter vraiment le langage, enfin Python, le plus simplement possible. Vous avez un petit aperçu. Si vous hésitez à l'apprendre. Donc là, on va voir les exceptions. Donc, ce que je vais faire, donc je vais faire un truc vraiment basique. Je vais faire une division par 0, donc ce qui déclenche obligatoirement une exception hein, dans tous les langages. Donc là, je fais un cache exception. Donc je le stocke dans une variable de $E et je vais faire un echo donc de $E. Voilà. En Python, encore une fois de plus, ça va être la même chose. Hein. À quelques différences près. Hop, exception. Donc ça va être try, des points. Donc une indentation. Donc R7 égale 2 divisé par 0. Voilà. Ensuite, on va faire un except. Exception. As. Donc là, on met as, e. Du coup ça va créer une variable e qui va contenir l'exception et on va faire un print e tout simplement. Voilà, et ça c'est là c'est bon. Donc voilà comment fonctionne enfin les différences qu'il y a entre PHP et Python et voilà. Donc j'espère que ça vous a donné un petit peu envie de voir d'apprendre ce langage. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.